Hey, debout là-dedans. C'est l'heure de la pitance. T'as de la chance, tu sais. Les pillards comme toi, on les crève sur place sans discuter. Mais moi... moi, j'ai l'œil pour ces breloques de nobles. Heureusement pour toi, j'ai plus le goût de l'or que le goût du sang, Lady de Rune. Où est mon frère? Hé, il va bien. Mieux vous vous portez, plus gros c'est la rançon. D'ailleurs, j'y suis peut-être allé un peu fort. La rançon? Qui l'a payée? Tu verras bien. T'es plus chez toi, gamine, alors sois sage, c'est compris? Sale chien. Millie, l'autre c'est Arthur. Tout ça c'est votre faute. Où est mon frère? Pas loin, baisse la voix, tu veux? Ces chiens ont pris ma fronde. T'en as pas besoin. Y'a un garde. Arthur va le faire bouger. Quoi? Comment? Il va faire diversion. Il attend notre signal. Regarde si tu vois quelque chose qui pourrait nous aider. Ruche là-bas? Trop mal placé. La charrette. Très bonne idée. Tiens-toi prête. Prête à quoi? À me coller au train. Ah! Ah! Alors, c'est ton frère? Ouais. Oui. On y va. On a une idée du nombre de morts de notre côté? Difficile à dire. Des milliers, ça c'est sûr. Mais les rats compliquent le comptage. Personne. Hugo est seul avec ces criminels. Ils lui feront rien. Tu comprends pas. S'il a peur... Sois patiente. Mais d'où ils sortent, ces foutus rats? C'est... On doit se prier en chemin. Non. Les rats ont décimé des villages valois. On rapporte des milliers de morts par morsure ou contagion. C'est un fléau divin. Le tonneau avec les lances. Bien vu. C'est que le... Tiens-toi prête. Y a pas de place pour une guerre, attends. Le roi Édouard doit rapatrier. Bien joué, Arthur. On y va. Fais gaffe aux bouteilles. C'était quoi, ça? Les apporteurs! Sur un mort. Eh oui. C'est ça la guerre. Oh. Voilà comment on enseigne la discipline à un valois. Hé, c'est vrai que tu es deux chevaux français hier. Ouais, et c'était pas dur. C'est qu'on la charge sans réfléchir. On y va. Juste pour la gloire. Les héros et leur armure qui brillent. Suffit de trouver la brèche et hop. C'est les meilleures cibles. C'était une sacrée putain de victoire, je vous le dis. La Guyenne est de nouveau anglaise, les gars. Ah ouais? Va faire un tour là-dehors et tu verras que la Guyenne... Regarde, la marmite. Ouais, on les retrouve avec des torches, Terra. On y va, à gauche. Pas d'idiotie, on a besoin de toi vivant. D'accord. Quel genre de prisonnier justifie une rançon aussi élevée? Les enfants de Valois. Le fils et la fille du chevalier Robert de Rune. Le chevalier à l'arbre. Ses faits d'armes du temps où il guerroyait sont célèbres. Mais il n'est plus au service du roi Philippe.
Un tel intérêt pour des enfants est étrange, en effet. Allez donc questionner la sœur. Elle doit être réveillée. Oh non, t'inquiète. C'était couru d'avance. Voyons voir. Ça. Et ça. Pas mal du tout. Manquer de pain et de vin. À chaque victoire, c'est pareil. La moitié des réserves part en fumée. Oh, mais t'es folle. Quoi? C'est passé, non? De justesse. D'ici peu, tu seras loin d'ici. Hé, hey, Amicia, où elle est? La sœur. Oh, on va la garder avec nous, pas vrai, les gars? Calme. Non, non, s'il vous plaît. Réjouis-toi d'être encore vivant. Hey, la des fille, choses rares, c'est la fille. Hein? Quoi, la fille? Mais allez, parle. La fille s'est échappée. Sa cage est ouverte. Tout le monde la cherche. Merde. Dispersez-vous. Surveillez les portes. Et restez sur vos gardes. Une cage s'ouvre pas comme ça. Être un coup des Valois. Profitons-en. Les tentes. Hugo, je suis là. Amicia, ça va? Tu n'as rien? Non, s'il te plaît, fais-moi sortir. Faut descendre cette cage. Ça va aller, Hugo. Dis-moi, ma fronde. Ils l'avaient quand ils t'ont enfermé? Oui, ils l'ont mise dans le coffre, là-bas. D'accord. Venez hommes du côté du grand palais. Ellie, tu t'en charges. Putain, mais c'est pas vrai! C'est pas vrai! Enfin, maintenant, Hugo, je dois décrocher sa cage. Libérer Hugo avec ma fronde. Heureusement qu'ils sont occupés. Mélie, la serrure. Côté du rempart est. Facile. Ils ont dit que quelqu'un va m'emmener. Tout va bien, Hugo. On va partir d'ici. Amicia. Oh, ils ont dit que j'allais partir et que je te reverrai plus. C'est faux, tu vois. Je suis là, on reste ensemble, hein? Bien sûr. Et on va partir avec Mélie, elle est là pour nous aider. C'est la voleuse. Et elle est désolée de nous avoir dénoncés tout à l'heure. Hein, Mélie? Ouais, ouais, je suis une vilaine fille. C'est bon, on peut se tirer. Prends ma main, Hugo. Allez, on y va. D'accord, il y a une sortie vers le fond du camp. Si tu sais te servir de cette fronde, vaut mieux que tu passes devant.
J'en ai assez de fuir. Vous auriez pas dû venir ici. Allez. Mes tentes. Fouillez-moi ces tentes. Faut juste trace. Mélie, tu peux t'en charger ? Ouais. Putain, mais c'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Je vois rien ! Bougez-vous ! Elle a pas pu sortir comme ça ! Les tentes ! Fouillez-moi ces tentes ! Encore ? J'en ai encore. Toujours près des cages. Laissez-nous en paix ! C'était... Quoi ? Tu veux gagner la guerre à toi toute seule ou quoi ? Je paye une rançon pour les enfants de Rune, et je dois les capturer moi-même. Ces Plantagenets sont vraiment des incompétents. C'est lui qui a tué mes parents. Il va nous massacrer. Mélie ! Fuyez ! Garde devant ! Élimine-les, Amicia ! Isabelle ! Hey ! L'Inquisition ! Mais qu'est-ce que vous avez fait ? Viens ! On a forcé ! C'est le moment de se tirer ! Pas Hugo ! En avant. On a une sortie. Ramène-toi. Ne ralentis pas, Hugo. Suis Mélie. Amicia. Je ne saurais pas le prendre. Arrête de courir. Vite, Amicia. Livre-nous, Hugo. Oui, j'arrive. Ils vont entrer. On n'a pas beaucoup de temps. Par là. Vite. C'est pas vrai. C'est fermé. C'est bon. On y va. On y va. La
pas de place pour vous là-dehors. Amicia, ramène-toi. Oh,